Et bonne nouvelle, ce sont les étapes, l'échec et l'étape pour pouvoir arriver à la réussite. C'est-à-dire que même quand tu as réussi, derrière, tu peux avoir des échecs. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hachi, retiens bien ce nom mon ami. Ici on est là pour te permettre d'être déterminé, d'être motivé, de créer ton business en ligne. Parce que si t'as pas compris que influenceur 2.0 de nos jours c'est ce qu'il faut être et c'est ce que tous les gens qui réussissent sont, hein, à un moment donné les gars, c'est Will Smith qui est au top. Le gars, ça fait 10 années, 20 ans, 45 ans qu'il fait des films. Toujours blockbuster. Aucune idée de ce que ça veut dire, mais bon, ça sonne bien. Mais le gars, il fait toujours des blockbusters, ok? Et vous, les gars, vous faites quoi, vous? Oh, bon, non, vous êtes là. Ah oui, et lui, il revient sur Instagram et sur YouTube. Voilà. Mais toi, non. Toi, non. Toi, t'aimes liker, toi. Tu likes, quoi. Consommation, quoi. Consomme, quoi. T'es là pour faire fonctionner la société, quoi. Tu te lèves, tu vas à l'école, tu travailles, t'attends la retraite, tu payes des impôts. Voilà, tu fais fonctionner la société, tu donnes ton argent à tout le monde, mais toi, tu t'enrichis jamais. Voilà, ben c'est bien, c'est super. Super, les gars! Super! Donc, sinon, si, pour ceux qui sont réveillés, les gars, formation offerte, c'est offert, c'est gratuit. Pourquoi tu bégayes? Pourquoi tu cherches des trucs? Pourquoi tu... Même toi, rends-toi compte du truc. Formation offerte? Ouais, mais il faut que je mette mon mail. T'es sérieux? Ok, passons directement au sujet de la vidéo. On va voir ensemble toutes les questions que tu dois pas te poser. Hein, toutes les questions que tu dois pas te poser lorsque tu passes par des mauvais moments, des galères, ou genre tu as essayé d'entreprendre quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Ok? Donc déjà, je te rassure tout de suite si jamais c'est dans cette situation. Si tu es dans cette situation, on est tous passés par là. Et je vais encore passer par là, moi aussi. Et les gens qui réussissent passent par là aussi. On a tous des échecs. Et bonne nouvelle, ce sont les étapes, l'échec et l'étape pour pouvoir arriver à la réussite. C'est-à-dire que même quand tu as réussi, derrière, tu peux avoir des échecs. C'est pas genre tu réussis et après, oh, il n'y a plus d'échec. C'est pas genre échec. Après, tu réussis et ça y est, genre tu as l'humilité, quoi. L'échec ne te touche plus. Non, c'est... après, tu vas réussir, il y a des trucs qui vont tenter, ça va fonctionner, il y a des trucs qui ne vont pas fonctionner, et ainsi de suite. Et en fait, c'est juste le game. Et la plupart des gens, ils ont peur de se lancer, de peur d'échouer. Donc, imagine comment ils sont loin dans l'état d'esprit pour pouvoir réussir. Ok, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, ils tentent des trucs, ça ne fonctionne pas. Steve Jobs, il a tenté des trucs, ça n'a pas fonctionné. Ok, après, du coup, sur ses échecs, il a su rebondir. Hein. C'est ce qui a créé justement le fait de pouvoir acheter de la musique à l'unité. Ça, c'est parce qu'il s'était complètement déchiré. Il avait sorti son ordinateur où, on ne pouvait pas mettre de CD. Il a dit, ouais, non, les gens, ils ne veulent plus de CD, nanani, c'est pas assez beau, nanana. Il n'a pas mis de CD. Ben, ils se sont fait défoncer par le concurrent, je ne sais plus c'était quelle époque. Ben, ça devait être Big S, hein. Mais grâce à ça, pour trouver une solution, il a dû se creuser parce qu'il a vu que, ben, du coup, ils se sont fait défoncer, ils sont complètement déchirés sur cette décision. Ben, grâce à ça, ben, boum, ils ont rebondi et ils ont créé tout ce qui est iTunes et tout. Donc, pour te dire que, en fait, les échecs, c'est juste des leçons de la vie. Il faut juste être content d'avoir des échecs parce que du coup, bonne nouvelle, t'as un échec. Ben, tu sais ce qui ne fonctionne pas. Bon, ben, les gars, j'ai eu un petit problème avec ma caméra. Donc, du coup, on va finir au iPhone. Tu vois, il y a toujours des solutions, mon gars. Il y a toujours des solutions. Au début, j'étais là, mince, c'est tout, c'est relou. Je sais pas qu'est-ce que c'est la caméra, je crois qu'elle est en train de me lâcher. Bon, en même temps, j'avoue qu'elle a eu des alliés de bons et loyaux services. Je peux pas lui reprocher, hein. Je crois que c'est depuis 2016. Donc t'imagines, ça fait un moment, quoi. Donc ouais, toujours en Colombie, les gars, hein. Toujours en Colombie. Donc, tu peux pas voir, hein. Tu peux pas voir. Donc du coup, je suis en train de réparer ça, mais bon, c'est pas facile, hein. Donc on va continuer comme ça à l'iPhone. J'allais dire à l'ancienne, mais non, j'ai jamais vraiment... Enfin si, des fois, je suis à l'iPhone, des fois, ça dépend. Donc du coup, je te disais, donc j'ai mes notes ici. Donc voilà, il faut que tu te réjouisses d'avoir des échecs parce qu'en fait, ça veut dire que tu es sur le bon chemin en fait. Le seul problème des gens qui réussissent pas, c'est que en fait, ils s'arrêtent avant. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, c'est le process. Ils ne comprennent pas que c'est le process d'échouer. C'est normal en fait. La réussite, c'est échec plus persévérance. Mais si tu n'as que la persévérance, mais que tu n'as pas d'échec,
c'est bizarre. De toute façon, t'as pas besoin de persévérer en fait. Donc ça fonctionne pas. J'ai essayé de faire un truc, mais non, ça fonctionne pas. Parce que si tu persévères, t'as pas besoin de persévérer si jamais t'as pas d'échec, puisque tu réussis direct. Mais non, tout le monde échoue. Voilà, même les plus grands, je te prends l'exemple de Steve Jobs. Enfin voilà, l'essentiel c'est surtout comment tu t'adaptes derrière. Si tu persévères, ça veut dire que quelle solution? Quand tu persévérais, ça veut dire que tu échoues, ok, qu'est-ce que je mets en place derrière? Boum boum boum, pas rester là, ah bah, j'ai échoué, ah la misère, ah les gens vont se moquer de moi, ah ça va être la honte, la nuit, oh, vas-y, c'est pas quoi. Donc justement, on va voir ensemble toutes les questions que tu dois jamais te poser. Ça veut dire que les premières questions c'est est-ce que c'était le bon moment? Ça, arrête, arrête. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ok, donc ça tu peux quand même te poser la question. Je sais pas pourquoi je me dis ça comme ça. Tu peux poser quand même la question pour savoir comment réagir, mais pas genre en mode c'est de ma faute. C'est surtout ça. Pourquoi ça arrive qu'à moi? Tu vois, c'est un discours de victime. Je suis pas assez intelligent. J'en suis pas capable. Est-ce que tout ce que j'ai accompli dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas de la chance? Donc voilà, si jamais tu as déjà eu des réussites, et là tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'en fait c'est de la chance, j'arrive pas à reproduire, etc., etc. Tout ça, c'est des questions, il faut que tu arrêtes de te les poser. Voilà, tu peux avoir des réussites dans un certain domaine. Par exemple, si jamais le gars qui a fait free, je sais plus comment il s'appelle, il pouvait faire un deuxième free, il l'aurait déjà fait. Pour tous ceux qui veulent se lancer, mais qui ont peur, par exemple, d'avoir des échecs, pose-toi la question, c'est souvent cette question que je me pose. Pose-toi la question, est-ce que si jamais je réussis pas, ou si j'échoue par exemple, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'au pire des cas, la situation la vraiment la pire qui puisse t'arriver, qu'est-ce qui va t'arriver en fait? Après, quand tu réfléchis, tu vois qu'il ne va rien t'arriver, tu seras en bonne santé, il n'y aura aucun problème. Et la plupart du temps, il n'y a aucun souci. Le pire des cas, il est très, très, très vivable. Moi, je veux dire, au pire des cas, tu reviendras juste à la case départ, c'est-à-dire là où tu en es aujourd'hui. Donc, j'ai envie de te dire, pourquoi pas essayer, quoi. Voilà. Après, va pas dans un mode essayer, va en mode conquérant. Mais au pire des cas, tu reviendras juste là où tu es aujourd'hui, quoi. Et après, si jamais tu rencontres des galères, des échecs, pose la question, est-ce que réellement tu as entrepris tout ce qu'il fallait entreprendre pour pouvoir sortir de cette galère? Parce que souvent on sait qu'il y a des choses qu'on devrait faire, mais on n'a pas envie de les faire. Et on préfère se larmoyer, c'est plus facile. Comme ça les gens disent, oh mon pauvre petit, oh là là, t'as pas de chance et tout, c'est dur l'entrepreneuriat. Hein, mais est-ce que vraiment tu as fait tout ce qu'il fallait? Est-ce que tu as déjà vraiment essayé toutes les solutions? Est-ce que tu as vraiment tout fait? C'est là que tu te rends compte que ce que tu penses en fait va vraiment te donner les résultats que tu as dans ta vie. Si jamais tu penses que c'est la misère, j'ai tout essayé, alors que finalement tu n'as pas vraiment tout essayé, en vérité tu n'as pas tout essayé et tout ça est parti dans ta tête. Okay? Donc que tu aies des galères ou que tu aies envie de te lancer, les échecs de toute façon c'est normal, il faut l'accepter, il ne faut pas le prendre personnellement. Okay? Tout le monde a des échecs, tout le monde échoue, il faut juste pas lâcher en fait. Sache qu'en fait tous ces moments de galère, c'est des trucs que tu vas pouvoir utiliser. Même dans ton storytelling, tu vois, tu vas pouvoir l'utiliser. Je veux dire, toutes les galères que tu rencontres, ça va toujours servir à quelque chose. Tu vois, l'autre jour, on m'avait volé tous mes trucs, j'ai fait une vidéo. Tu vois, c'est des vidéos qui vont apporter des vues, qui vont apporter de l'attention, et l'attention apporte de l'influence, l'influence apporte de l'argent. Voilà, donc quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie, tu peux toujours t'en servir et le transformer en quelque chose de bénéfique pour toi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien, même si j'aime, parce que t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas, parce qu'en fait, tu te dis non, c'est pas vrai, tout ça, c'est la galère. Et si jamais tu veux te lancer, les gars, t'es libre de cliquer sur les liens qui sont juste en dessous, t'as des formations offertes, voir te lancer. Et passer à l'action, ok? Influenceur 2.0, si t'as pas encore compris que c'est là où il faut être, je sais pas. Dans notre ère là, t'as pas capté ça, toutes les stars sont sur les réseaux, c'est pas pour juste se montrer, hein. Elles font pas ça pour ça, elles font ça parce qu'elles savent que ça leur apporte de l'influence et de l'argent, hein. C'est pas juste pour se montrer, les gars. Donc voilà, ne faites pas cette erreur là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien, on est en iPhone, y a pas de problème et on reste déterminés. Quoi qu'il arrive, il y a eux et il y a nous. Soyez donc quoi.